Ok. Part de laquelle? Ok, ça c'est... J'essaie de me rappeler des contrôles. C'est bon. Il y a des maringouins, ça, ils se pointent-tu eux autres? Oups, j'ai manqué le... J'ai manqué le champignon. T'es-tu supposé aller là, moi, là? Ça fait cul-de-sac pas mal. Non. Quand je les arrose, donc c'est probablement pas tout trop fort. Je pensais pouvoir sauter ces uniformes, mais je passe au travers. Oh non! Et là, ça c'est pour aspirer. Oups. Ok, c'est pas mal que ça marche. Ah, c'était ça. C'est ça que je voulais. Encore des tonneaux? Gargamel est donc toujours là. Et il est en train d'en faire une énorme réserve. Ok. C'est des tonneaux de quoi, ça? Il y a des espèces de fruits dorés avec des taches. Je vous explique mal ce que c'est. C'est mouillé! Et en plus, ça glisse! On ne sait pas où mettre les pieds! Mais Gargamel est juste devant. Et repoussant, répugnant et salissant! Oh! Une maltrape! J'espère que le grand Schtroumpf n'est pas à l'intérieur! Oh, flûte! C'est Schtroumpfant! Je ne peux rien voir d'ici à cause de ce brouillard. Ouais. Je pourrais l'appeler, mais avec Gargamel dans les parages, ce serait le meilleur moyen de me faire repérer. Oh, Schtroumpf alors! La maltrape a dû envoyer un signal à Gargamel. Il faut que je me dépêche. Mm-hmm. Bon, je dois m'approcher et trouver les cœurs à soigner pour ouvrir la maltrape. Il y en a déjà une, là-bas. Je n'ai pas le choix. Il faut que je traverse ce brouillard. Bon, il va falloir que j'aspire du soin pour me schtroumpfer un passage. Ok. Arrêtez de faire cette attaque-là, ça marche pas bien. C'est toujours le mauvais temps. Aïe! Thank you.
pas me rendre du tout. Comment je fais pour me rendre? C'est un peu là. Pas évident. Le mieux c'est de prendre le passage par ici. Et ensuite quoi? Ça? Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ok, repousse. Ah ah! Trop schtroumpfant! On dirait que le chemin de feuilles se déroule à mes pieds comme un tapis rouge! Bon, j'ai soigné le premier cœur. Il doit en rester un. Gargamel n'a pas l'air d'avoir trouvé la maltrape. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et hop! Arrêtez de me schtroumpfer toutes les deux secondes. Je pense avoir trouvé le grand schtroumpf. Il est prisonnier d'une maltrape. Formidable, schtroumpfette. Tu es vraiment trop forte. Oui, tu schtroumpfes mieux que nous. Je peux parler à la schtroumpfette, moi aussi? Bon, je raccroche. Je dois aller libérer le grand schtroumpf. Ouais, faut vraiment que je t'y tire de quoi dessus, hein. Ok. Je me rends où avec ça? Ok, je reviens sur mes pas. Oups, c'est pas bon ça. Bon, j'ai ramassé ça. C'est une bonne nouvelle. C'est par là qu'il fallait que j'aille. Ah, ok, j'ai tiré à mauvaise place. Oh non! Je pensais que j'allais me rendre, mais non. Je suis capable de me rendre là-bas, je sais pas. Bon, alors. Non, je peux plus le tirer à temps. Oh! J'étais pas loin en plus! Ah.
Oh là là, failli tomber. Failli tomber. Ça m'amène là-bas. Ok. Et... Raté. Ok. De pas de Gargamel, mais quand est-ce qu'il va rentrer chez lui? Ok, il s'en va par là. Oh, ok. Quelle purée de poisse! Ce brouillard est une vraie calamité! Même si une maltrape avait attrapé quelque chose, je ne verrais rien! Il ne se trompe rien, lui non plus. Ça m'arrange. Je vais en profiter pour aller ouvrir cette maltrape. Ok, alors... je crois. Peux-tu tirer ici? Non. Ok. Waouh. Chouette. On dirait le feu d'artifice qu'on schtroumpf à chaque fête du village. Oh, Gargamel est juste là! Oh shit! Ah! Ah merde! C'est juste une mauvaise putain! Okay.
faire avec ça. On va essayer de... Ah! Mal juger ma distance. Ok, il l'a là. Failli tomber. Ok, fait que ça monte ici. Il est là, je sais pas par quoi il est là. Ok. Ah! Par les cornes du diable, je me suis encore cassé la figure. Bien fait pour lui. Il a trébuché. Tagada, soin. Trouvez soin des cœurs. Ok, ben là, il y a des monstres. Oh! Plein. Ok. J'avais déjà récupéré tout là. J'ai manqué mourir là. J'ai déjà récupéré toute ma santé. Bon. Deuxième cœur. C'est le dernier? Ok, qui est dedans? Ah, le grand schtroumpf était dedans. Le grand schtroumpf voilà. Était dedans. Le dernier cœur est soigné. Grand schtroumpf! Vous m'entendez? C'est toi, schtroumpf? C'est grâce à toi que la maltrape vient de me libérer? Oui! J'arrive, grand Schtroumpf! Ne bougez pas! Je ne bouge pas! J'ai une bonne nouvelle, Schtroumpfette! J'ai pu récolter le parfum des Lébores avant de me faire schtroumpfer! Cool! Schtroumpfissime! On va pouvoir rentrer tout de suite au village alors! Vite! Gargamel est dans les parages! Il faut pas traîner! C'est moi? Ou j'ai entendu crier? Non, c'est toi! C'était ton chat! C'était Azrael qui fait miaou! C'est que j'ai atterri là. On va me faire commencer là. Ok. Ah, c'est mal calculé. Pas évident à tomber sur une plateforme qui bouge. Je me suis-tu rendu? Ou j'ai-tu tombé dans un autre... Le ravin du marais lugubre.
Schtroumpfette, tu m'entends? Tout va bien? Ouais, je t'ai supposé tomber. Quelle chute! J'ai bien choisi mon moment pour tomber. Le vaporisage Schtroumpf a souffert, par contre. Le réservoir s'est détaché et je ne le vois nulle part. Nom d'un petit Schtroumpf, le courant de la rivière a dû l'emporter. Tu dois vite le récupérer. Sans la fleur réservoir, on ne pourra pas soigner la contamination. Oui, je sais, je m'en occupe. Pendant ce temps-là, rentrez au village, grand Schtroumpf. Ils ont besoin de vous là-bas. Je crois que c'est un peu la panique. Tu es sûr? Je peux t'attendre, tu sais. Non, le village a plus besoin de vous que moi, grand Schtroumpf. Et puis Gargamel est peut-être encore dans les parages. Ne restez pas à découvert. Bon, ça ne me plaît guère, mais soit. Fais bien attention à toi. Je me suis parfaitement débrouillée jusqu'à maintenant. Pas de raison que ça change. Bon. Malheureusement, sans réservoir, pas de blabla Schtroumpf. Cette fois-ci, je suis seule pour de bon. Allez, ouais. Schtroumpfette, c'est pas le moment de flancher. Respire. Je pourrais aller où, moi, là? Oh, attends, il y a une plateforme qui bouge. Non, elle va de gauche à droite. Ok. Je peux pas atteindre ça. Oula! Attention de ne pas tomber à l'eau avec tous ces obstacles. Ok. Et hop! Bon, une chance qu'il y a des radeaux. Ok. Ça, ça coule. J'ai sauté du mauvais bord, moi, là. Ouais, j'ai sauté du mauvais bord. Hop là! Ok. Lui, pas passer en dessous, moi, je vais passer par-dessus, puis je vais aller chercher l'autre bord. Il est là! Ma peur et ne pas laisser mon imagination prendre le dessus. Oh là là, non, je pouvais pas continuer, je peux pas reprendre le radeau ici. Bon. Ouais, ça c'est des malbêtes, je peux rien faire pour eux. Oh, mais attends là! Et je n'ai plus de vaporisage Schtroumpf! C'est le moment où jamais d'utiliser la technique du Schtroumpf costaud, à savoir courir vite! Ouais, faut que je me pousse. Ok. Ça, je peux rien faire pour attraper ça. Je vais éviter de trop m'approcher de toute cette contamination. Oups.
Et... Hop là. À contre-courant, moi là. Ouais, c'est bien à contre-courant, d'accord. Oups. Youpi! Hop là. Contre-courant. Et hop. Quelques mètres. Le réservoir du vaporisage Schtroumpf n'a quand même pas disparu. Il ne doit pas être bien loin. Oups. Oh, c'est vraiment prêt pour disparaître, ça, là. Non. Hop là. Comment je fais pour me rendre? Faut que j'aille de l'autre bord? J'ai l'impression qu'il faut que j'aille de l'autre bord. Non. T'as perdu, mais c'est pas grave, recommence. Bon. Réservoir du vaporisage Schtroumpf. Ouais, ça l'audait pas. Il ne doit pas être bien loin. Bon, alors. Ok, je l'ai. Ah, j'ai manqué. Ah, c'est pas vrai. Faut que je recommence. Save était juste là. Oh bon. Là-bas. Ça y est, je le vois. Allez vite. Je le récupère et je retourne au village. Yeah. Schtroumpfstastic. J'ai enfin récupéré le réservoir. Je peux être fière de moi. C'était quand même pas de tout repos. J'ai hâte de retrouver mes amis et le village. Bon allez. Cet endroit ne me dit rien, Kishtroumpf. Ne traînons pas ici. In the blink of an eye. Ok, fait que là, il me ramène direct au village. J'ai pas à retourner. Ok. Grâce à la Schtroumpfette et son immense courage, reviennent nos deux héros, sains et saufs, au village. Oh, j'étais sûre qu'elle y arriverait. Elle est vraiment exceptionnelle. Bref, où en étais-je? Le grand Schtroumpf a repris, fier de lui, ses fonctions, a apaisé les Schtroumpfs et sorti son chaudron. Le parfum d'Elébor, il a donc ajouté aux autres ingrédients déjà récupérés. Après plusieurs essais, le grand Schtroumpf est content. L'antidote est schtroumpfé et il est surpuissant. Mais la partie n'est pas encore gagnée, hélas. Chez le vil Gargamel, la Malfeuille est en place. Du haut de la masure, elle crache ses mignons. Le chemin sera dur, le chemin sera long. Qui sera le plus fort pour s'infiltrer là-bas? Pas le Schtroumpf paresseux, ni le Schtroumpf maladroit. Ce sera le Schtroumpf costaud. Qui d'autre, je vous le demande? Il ira batailler et écrire la légende. Chapitre 5, la masure de Gargamel. Ok. Donc c'est vraiment le boss de la fin. Il faut qu'on aille au château de Gargamel pour pouvoir détruire
la maille feuille à la source. Ok. Donc, encore une fois, c'est au tour du Schtroumpf, c'est bon. Costaud, de sauver la donne. Je vais pouvoir sauver mes amis chez Gargamel. Mais avant, passons voir le grand Schtroumpf et le Schtroumpf bricoleur. Bon. C'est Schtroumpf bricoleur, ouais. J'ai besoin d'acheter des upgrades. Mais qu'est-ce que je peux avoir? Ok, ça je peux pas avoir ça. Pas assez d'écorce. Non, juste j'ai pas assez de racines de whatever. Je sais pas c'est quoi ça. Ça me prend d'autres cadeaux du Schtroumpf farceur. Planer trois fois au cours du même vol. Un troisième cœur, c'est pas mal tout ça que je peux me permettre. Alright. Fait que là, j'ai 6 cœurs au lieu de 5. Ça, c'est quoi? Ah non, c'est... Pour gagner de la vitesse, je dois retenir le piton, mais je contrôle moins ma vie. En tout cas, c'est pas les graines qui manquent. Ah, celle-là, j'ai été battu. C'est un vestige d'une bankraft. Bon, alors, la Schtroumpfette est là. J'ai sauvé le grand Schtroumpf. Fais très attention, j'ai Gargamel, Schtroumpf costaud. C'est très dangereux là-bas. C'est très gentil de vous inquiéter pour moi, Schtroumpfette. Il ne faut surtout pas laisser cette satanée belle feuille en vie. Ok, ça c'est pour... ça, je m'achète, c'est le Schtroumpf coquet. Je peux plus faire ça. Pour des couleurs, changer la couleur de mon spray. Donc, faut que j'aille dans les champs puis dans la plage si je veux d'autres couleurs, mais j'ai jamais été là. Ça serait genre une façon de... J'ai jamais été là. C'est une façon d'avoir du contenu supplémentaire. Sais-tu quoi? Je pense qu'on a un peu le temps de voir ce que c'est. Ça, c'est l'entrée de la plage. Bêta. Moi j'aime pas Gargamel, tu parles comme le Schtroumpf grognon, Schtroumpf bêta. Bon, c'est qui le Schtroumpf grognon? Le Schtroumpf grognon n'existe pas, Schtroumpf bêta. Comment je peux parler comme un Schtroumpf qui n'existe pas alors? Il faut que j'y aille, Schtroumpf bêta, à tantôt. Ok. Les champs, c'est par là.
La place. Je pense que j'ai déjà été à la place, non? Non, c'est par là. J'en reviens-tu de là? Je sais plus. Ici, c'est la place. Ça, c'est l'entrée du village. Donc, c'était là. Ça serait pour le fast travel. Il paraît que Gargamel a entraîné Azrael à faire quoi? L'entrée, les champs, la plage. Ah, c'était pas là pantoute. La plage, c'est par là. On va essayer la plage. C'est par là, ne pas confondre avec la plage. D'accord. Ici on a la place, les champs, la plage. La plage c'est par là. Bon, là je trouve que... Grâce aux trois ingrédients qu'on a récoltés, j'ai mis au point un super antidote. J'ai rempli le vaporisage Schtroumpf avec. Parfait. Me voilà prêt à affronter la Malfeuille. Une dernière chose. Le vaporisage Schtroumpf est désormais puissant. Ne sois pas surpris. La puissance, ça me connaît. Ne t'inquiète pas, Schtroumpf bricoleur. Tu vas devoir t'infiltrer chez Gargamel pour libérer les Schtroumpfs qu'il a fait prisonniers. Ensuite, il faut que tu viennes à bout de la Malfeuille grâce au super antidote. L'antidote est puissant, mais la Malfeuille l'est, elle aussi. Ne l'oublie pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis Schtroumpfé à bloc, grand Schtroumpf. En route pour la massure de Gargamel. Entre lui et la Malfeuille, ça risque d'être dangereux. La massure. Il faudra que je sois très prudent. C'est quoi une massure? Une partie de la maison? Fast travel, moi, là. C'est qui m'emmène, là? Ben mêlant comme endroit. Attends un peu. Hop là! Tu vaporises encore? Il m'amène vraiment fast travel. Oh, hein. Bonjour! D'accord. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les champs.
Salut, tout va bien? Ok. Je passe par ici, genre? Ouais. Nouvelle partie du village avec d'autres cadeaux. Il y a 19 cadeaux ici. Eh ben. Oh, j'ai raté l'eau. Bon, moi, ils m'ont fait recommencer. Aïe! Sont passés haut. Ça c'est nouveau. Oups. Ou pas. C'est bon, ce vaporisage trop.
recommencer. Bon. C'est lui. C'est vraiment une grosse course là, c'est vraiment un long pack là. Ok, ça c'est nouveau. Ok, on va sauter, voir ce que ça donne. Aïe! Là, je l'ai déjà accompli. Ah, il reste la course. Cadeau. Hop là. Génial. Oh, ça c'est sweet. Et hop. Soigner entièrement la baie, tu as débloqué une nouvelle couleur. Oh, les champs sont complétés. Maintenant, j'ai une nouvelle couleur de spray, c'est cool.
Bon, on va pouvoir la, la checker. C'est où? Ok. Oups. Il y avait de l'eau. Bon. On est dans la grande place. Bon, ça me tente d'essayer la nouvelle couleur. La place et les champs sont, sont soignés eux autres avec. Fait que j'ai le choix de... Comment je le contrôle? Ah, faut que je rentre dans amélioration. Faut que j'aille voir le schtroumpf bricoleur pour changer la couleur du spray. Ok, donc. C'est où? Ah, je peux avoir lui aussi. Planer jusqu'à 3 fois au cours du même vol. Ok. Je peux rebondir. Ok. Ça dit pas comment changer de couleur. Oh oui, t'attends, amélioration, c'est ici. Ah, ok. Fait que je peux mettre bleu ou mauve. On va mettre bleu. Oh oh. Attends un peu. Comment ça, j'ai 3 tanks? Je peux pas juste changer de couleur, j'ai plus de. Ok. Donc, si je trouve le chemin de la plage. Ok, ça va être vers l'entrée. On va s'essayer. Bien, bonjour. L'entrée. La plaza, c'est par là. Bon, maintenant, c'est où? C'est la place. La place, les champs, la plage. Ok, je pense que c'est le grand schtroumpf. On prend par ici. Oh, salut! Qu'est-ce que tu fais? Tu es encore sur le chemin de la plage. Le barrage de la plage. Ok. Le barrage, j'ai déjà été. Ça me tente pas d'y retourner, même pour aller chercher le 9% qui manque. Il m'intéresse pas.
ici la plage? C'est le chemin de la plage, ça. Donc. Si je fais ça de reculons. Septième. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il est beau, ce vaporisage Schtroumpf. Ah non, il faut vraiment que je le trouve si je veux ouvrir ça. C'est ça qu'ils me disent, là. Ok. Finalement, j'ai trouvé. Et maintenant... Impossible de schtroumpfer sur la plage avec cette contamination. Hé, hey, tu pourrais pas la soigner avec ton vaporisage trouble. J'ai vu une plante à côté, ça pourrait te servir. Oh, attends un peu. C'est le cœur qu'il faut que je plante. Là, il est quelque part en haut. Oui, 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 que j'atteigne le cœur. Zut, non. Ok, ben maintenant j'ai une piste. Ok. Fait que ça c'est bloqué. Ça devrait être quelque part. Ici. Je tire de quoi? Thank you.
décidé qu'il faut que je traîne la graine jusqu'à l'autre bord. Pas me rendre. À partir de où je suis censé tirer ça? Aucune autre plante pas loin, je sais que je peux prendre. Ok, ça c'est vraiment un mur. C'est ici qu'il fallait que je cours. Peut-être que... Oh! C'est ça, il faut que je cours. C'était mieux là! Ouf! C'était pas évident! Ah, ok, on est sur la plage! Mon gars, je sais pas, je
vous poignez ça comment? Attends un peu. Ouais, c'est ça. Oh là, tournez le dos. Faites taper dessus. Dans l'eau. Aïe! Cadeau à récupérer dans le village. Je sais pas ce que c'est faire, mais au moins. Quelqu'un qui parle. Oh, je me demande ce qu'il y a là-bas. Hé, hey, Gargamel, ça doit. Ok. Là-bas que je peux aspirer, mais je fais quoi avec ça? Ok, je la tire là. Ok. Et hop! Come on! Cadeau à ramasser. Hop là! Ici, je suis au bonjour. Ici, je suis au calme. Je n'ai plus à subir des cadeaux du Schtroumpf farceur, attendre le Schtroumpf grognon ronchonné ou me faire sermonner par le Schtroumpf à ludette. Bon, il me manque un peu quand même, ceci dit. C'est vraiment isolé le petit gars là. Il a mis son sa maison au beau milieu de la plage pour avoir la calice de paix. Aïe!
Et hop. Hop là. Et hop. Ah tiens, la visite, je pensais pouvoir me reposer tranquillement loin du village, mais je vois qu'il y en a toujours qui trouvent un moyen de venir ici. Bon, paresseux, c'est pas possible, je peux jamais être tranquille. Laisse-moi dormir un peu. Non, 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 non. Et hop. Hey, salut, tu es déjà allé vers l'îlot sur la rivière, oui. Ça se passe bien. Oh, attends, c'est une bébête, ça. Cadeau ici, puis là il y a une. Il y a une crêle. Ok. Oh, c'est vraiment tout ça qui manquait. J'ai complètement soigné la plage. Maintenant, j'ai une nouvelle couleur de spray cool. Maintenant, il reste juste le barrage. Ils s'entendent pas de continuer à faire. C'est un petit spot de rien. Hop là! Fait que c'est vraiment du contenu additionnel, pas trop compliqué, là. Ben... Il faut que tu aies toutes les pièces pour, là. Tu sais, tu peux pas faire la plage si t'as pas complété le tableau de la schtroumpfette, ils disent. Tu sais, pis le tableau des champs, tu peux pas le compléter si t'as pas fait, si t'as pas l'upgrade avec le schtroumpf cuisinier. Donc, techniquement, le barrage serait capable de le faire, c'est juste qu'il manquait un petit bout que je sais pas comment je l'ai fait pour pas le manquer. Putain, on va aller au barrage pour le fun. Voir qu'est-ce qui me manque. Ensuite, on va pouvoir progresser avec la maison de Gargamel ou la masure, comme qu'il appelle. Ici. J'aurais pu récupérer si ça me tentait, mais je l'ai jamais fait. Youpi! Ok. Je donne un autre là.
Comment je le fais pour l'atteindre? C'est aussi bête que ça. Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Il est où le reste? Je le vois pas. Les autres bulles pour pouvoir continuer. Ça aussi, je sais pas pourquoi j'ai jamais complété. Super! Oh, le barrage, c'est une autre section complètement différente là. Et voilà. Génial! Bon, le fait que j'ai plus de cadeaux, ça va peut-être donner accès à plus de... d'upgrades. Thank you.
J'ai l'impression que ça, c'est le stage à... où je trouve la lunette. Plus je regarde ça, j'ai l'impression de me rendre chez le Schtroumpf sauvage. Ouais. Plus je le regarde, là, plus je me rends compte, là, on dirait que c'est le chemin qui mène vers le Schtroumpf sauvage. Ça veut-tu dire que... le marais lugubre, le château marmite. Château Marmite 91% soigné, les murailles 58% soigné, le marais 77%, le ravin du marais, ben oui, je pouvais pas le faire, j'avais même pas la machine. Je pourrais me rendre là live, ok. Le village lui-même 97% soigné, les abords du village 71% soigné. Ok. Avec les abords, le village et le barrage... c'est deux, c'est trois affaires différentes. Fait qu'ici, il y a 21 cadeaux. Ici, il y en a 19. Puis ici, il y en a 30. Il y a de l'écorce. Ici, il y a des champignons. Je pourrais retourner là pour récupérer ce que j'ai pas pu quand j'étais Schtroumpfette. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je crois que je vais retourner au village pour aller au château de Gargamel pour progresser l'histoire. Ok. Chill stream. Ceci est effectivement un chill stream rendu là. Moi, je peux pas aller chercher ça. Pas moyen! Ok, donc, pour aller au village le plus rapide, ça serait aller là. Fast travel! Coucou! Tout se passe bien? Ok. Peux-tu débarrer quelque chose avec le chaton bricoleur? On peut bien le checker. Ça m'aurait étonné. Non. 14. Pour avoir le pilote de course. Il m'en manque un pour avoir
Ben, plus les autres que j'ai ramassés, une meilleure puissance d'expulsion. Ok. Donc. La masure de Gargamel. Le laboratoire. Allô, les copains? Est-ce que vous me recevez? Oui, ici le grand Schtroumpf. Tu es bien arrivé chez Gargamel? Oui, j'y suis. Mais on n'y voit presque rien. Il fait noir comme dans un four. Ça pourrait te permettre de passer inaperçu. Je sais que tu n'es pas du genre à faire dans la dentelle, mais pour une fois, reste discret. Vous inquiétez pas, grand Schtroumpf. Je serai aussi discret qu'une mouche bzz. Les mouches bzz, je pense que c'est ceux qui font les schtroumpfs noirs, hein. Ils appellent noir, mais en fait, ils sont pourpres. Et hop! Aubergine, même. Hop là! Oh, il y a une araignée. Gargamel est juste nom d'un alter. Gargamel. Espérons qu'il ne me voit pas. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Alors, un peu de belladone et de ricin. Voilà de quoi faire grossir la malfeuille. C'est du poison. Sans oublier de la belladone, mandragore. Puis du ricin. Mais la mandragore en plus. Je ne retrouve pas les lébores que j'ai ramassés au marais. Tu ne l'aurais pas grignoté dans mon dos, maudit sac à puce. De l'élébore au marais? La Schtroumpfette nous a dit qu'il ramassait quelque chose là-bas. Fait qu'il voulait ramasser de l'élébore. Ah ben oui, si c'est un des ingrédients principaux pour faire grossir la malfeuille, c'est un peu normal que ce soit l'ingrédient principal pour l'antidote. C'est logique. Fait que l'élébore des marais, c'est quelque chose qui casse la planche. Ok, faut casser la planche. Je vais casser cette structure en un clin d'œil, ou je ne m'appelle plus Schtroumpf costaud. Et hop! C'était quoi ce bruit? C'est toi, Azrael? Il a dû l'entendre. Fuck. Heureusement que je suis bien caché. Qu'est-ce que tu as encore? Non, il m'a trouvé. Ah! Tu as perdu, misérable nabo! Faut que j'évite la lumière. Ok, fait que si je reste là, je suis correct. C'est Little Nightmares all over again. Ouais pas. Tu me vois pas ici non plus. Non. Non, je sais pas.
surprise. Bon, fait que là on joue à attendre. It's time to play the waiting game. Non, t'as pas vu. T'as halluciné. Même s'il m'a clairement vu. Même si j'émets moi-même de la lumière, regarde, je peux même pas éteindre ma lampe. J'émets de la lumière, mais tu me vois pas pareil. Oui, oui. Non. Fait que je suis vraiment pogné pour faire ça. Puis je me cache ici. Ok, je fais ça. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'il passe. Ok. Se cacher derrière le pot. Ah, il me voit! Ah! Il me voyait. Ok. Hop là! Yeesh. Ouch. Ouf, ça c'est vraiment ma faute. Ah, il m'a même pas vu. Pas vu non plus. Et hop! Mais je connais ce bruit. Encore un de ces maudits rats, certainement. Ouais, un rat bleu. Non! Je suis coincé. Je vois plus. Tant mieux, mon grimoire est revenu. Je connais ce bruit. Encore un de ces maudits rats, certainement.
Fait que ça, c'est une bagarre. Ah, j'étais presque. J'étais quasiment à l'abri. Je vais enfin être tranquille sans toi, petit vermisseau. Oh wait, je suis dans le bon bord moi là. Peut-être pas. Non, je suis parti dans le mauvais bord. Ah non, j'ai perdu ma place. C'est ici qu'il fallait que j'aille. Je veux récupérer ma... Oups. J'allais dire, je veux récupérer ma mandragore. Plan de changer de couleur, mais je te garantis que c'est pas moi. Le grimoire de Gargamel. C'est là-dedans qu'il a dû trouver comment je schtroumpfais la malfeuille. Ouais. Oups. Je suis coincé. Un vrai froussard, Gargamel! Oh, t'as peur d'un petit rat de rien du tout! C'est pas la petite bête qui va schtroumpfer la grosse! Taisez-vous, horrible nabo bleu! Dès que j'en aurai fini avec ce rat, capturés, je m'occuperai de votre cas! Des schtroumpfs, oui, aucun doute. Costaud, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu nous sauver? Exactement. Gargamel vous a capturé après vous avoir récupéré dans les maltrapes. J'ai comme l'impression qu'il veut nous schtroumpfer. Mais tu nous libéreras plus tard. La priorité, c'est de détruire le grimoire. Gargamel y a trouvé une nouvelle formule pour améliorer la malfeuille. Et il est revenu du marais avec plein d'ingrédients. Je vois. C'est donc pour ça qu'il était là-bas. Sans grimoire, plus de formules et plus de malfeuilles améliorées. Tu dois impérativement t'en débarrasser. Je m'en doutais. Mais il faut que j'accède à la pièce du grimoire sans que Gargamel me voie. Ouais. Il y a un trou de souris là-bas, en hauteur. Tu devrais pouvoir t'approcher du grimoire sans te faire repérer. Très bien. Je vais essayer de schtroumpfer par là, alors. Je viendrai vous libérer après. Avec ma force, ce sera un jeu d'enfant. Pardon? Peux-je prendre mes vitamines? Ah. Bon. Fait que là, lui, il vient plus avec la lampe. Ah.
souris est juste en haut. C'est parti. Oh non, il est revenu, j'ai parlé trop vite. Une porte, voilà. La souris a fait une porte. Est passé par le trou et je l'ai raté. Allô, grand Schtroumpf ? J'ai trouvé une partie des Schtroumpfs emprisonnés. Ah, bonne nouvelle. Tu as pu les libérer ? Non, pas encore. Je dois d'abord détruire le grimoire de Gargamel. Il a trouvé une nouvelle formule pour améliorer la malfeuille. Dans ce cas, il faut vite l'arrêter avant que ça dégénère. Ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf. Je Schtroumpf la situation. Hop là. Oh, ça c'est pour une planche à casser. Yep. Génial. Gargamel a des portraits sur le mur. Je les voyais pas bien à cause du manque de lumière. Et... bon, je chercherai ce maudit rat plus tard. Où est-ce que j'ai mis mes racines de mandragore? C'est pas beau de vieillir, je te le dis, Azrael. Aïeux.
Comme quoi, le plus désagréable dans cette masure, c'est le propriétaire. Oh, il faudrait penser à schtroumpfer des visites quand il est là. Il est peinturé, lui, avec. Le design est différent. Bizarre. Gargamel est pareil, schtroumpf est pareil, mais Azrael, pour une raison que j'ignore, ils ont dessiné différent. Petit rat, je t'ai vu! Attends que j'attrape mon épuisette, je vais m'occuper de ton cas! Revoilà ce crétin de Gargamel. Il n'a vraiment rien d'autre à schtroumpfer que de me courir après. Il peut toujours essayer de me rattraper. J'ai des heures d'entraînement. Ok. Ah non! Faut que je recommence. Ah, il va me pogner! Non! Ok, phew. Ah, oh, fait que c'est un piège à redescendre. J'ai plus besoin d'aller là. Jamais à le schtroumpfer, Gargamel. Oh, attention, derrière toi. On dirait une cigogne dans un magasin de porcelaine. Encore un mot et je vous transforme en pâté pour chat. Encore un petit effort, je dois plus être bien loin. Tout le village compte sur moi. On lâche rien. Et hop! Les ennuis. Ça schtroumpf toujours en escadrille.
Oh là là, ça schtroumpf ici. C'est ce que Gargamel prépare dans son horrible chaudron qui sent comme ça. Tiens d'ailleurs, son vieux grimoire est juste au-dessus. J'y suis presque. Fait que le grimoire, il est poigné dans les lianes aussi. Dans les espèces de vignes du Hoplite. Ça, c'est le chaudron. Si je pouvais, genre, toucher ça. Ah, oh, ça, c'est un cœur. Ok, il reste juste à atteindre le haut de la cheminée. Gargamel, je voudrais te schtroumpfer quelque chose. Gargamel, j'entends de l'eau couler dans la cuisine. Y aurait pas une fuite? Arrêtez de me déconcentrer. Je vais attraper ce rat, c'est moi qui vous le dis. Là, j'ai bien fait d'avoir manqué mon saut. La lumière, elle a me poigné. Ok. Non. Il y avait nulle part où me cacher. Ah non, il y avait le flacon renversé. Tant mieux! Mon grimoire est sauvé! Comment il a su? Même avant, il a su que... J'allais chercher son grimoire. Oui! Qu'est-ce que c'est ça? J'en peux plus de tous ces nuisibles! C'est bien la peine d'avoir un chat s'il ne peut pas les chasser à ma place! Ah, c'est bon! Le grimoire est juste là! Me voilà enfin face à ce satané grimoire. Ah, il est recouvert de contamination. Un bon coup de vaporisage Schtroumpf devrait le détruire. Ah, je t'ai vu, espèce de sale petit rat. Tu ne perds rien pour attendre. Nom d'un Schtroumpf. Vite, un coup de soin et je décampe. Fait que là, j'ai pitché le grimoire en bas de la commode, puis là, je m'enfuis. Puis là, je suis poigné dans la remise. Tu as détruit mon beau grimoire, maudit navet bleu. Je t'ai vu. Cette fois, je te jure que tu ne m'échapperas pas. Immonde petite vermine bleue. Là, c'est un truc de vitesse. Je vais t'attraper. Tu ne perds rien pour attendre. Je dirais ben oui, c'est une course. C'est une course. Et hop. Je suis coincé. J'étais poigné dans le cadre. Je pensais que c'était... Quand je trouve père, la joie me gagne. Tu ne perds rien pour attendre. Pas le temps de guérir les... Oh, vas-y, cours! Avec tes petites jambes, tu n'iras pas bien loin! Oh là, ça risque de mal finir! Faut surtout pas que je m'arrête! Hop là. Ah là, c'est le trou là. Bah, j'ai tombé dans le trou, c'est pour ça. Là.
t'ai vu passer dans le trou. Tu ne m'échapperas pas. Schtroumpf costaud, on est là. Viens nous aider, Schtroumpf costaud. Minute. Aïe. Vite, Schtroumpf costaud, on a besoin de toi pour schtroumpfer de là. Casse le cadenas avant que Gargamel ne te retrouve. Prends de la hauteur et fais un gros splash dessus. Il devrait céder. C'est noté, je me dépêche. Ok. Et hop. Vas-y, Schtroumpf costaud. On est avec toi. Chut. Gargamel va vous entendre. Vas-y, Schtroumpf costaud. C'est le moment de schtroumpfer le grand saut. Pouf. Oh, merci, Schtroumpf costaud. Oh, j'ai vraiment cru qu'on sortirait jamais de cette cage. Enfin libre. Je ne sais pas vous, mais moi, je déteste être confiné trop longtemps. Oui, et à force de déplacer nos cages, Gargamel m'a donné le mal de mer. Oh, d'ailleurs, t'as pu délivrer les autres schtroumpfs? Non, pas encore. Mais j'y vais de ce pas. Ne vous inquiétez pas. J'allais me cacher, mais j'ai pas eu de temps. Ce misérable Schtroumpf a libéré les autres. Oh, les sacos. Un peu, ils sont là. Ok, c'est comme ça qu'il fait... Bon. Non. Je peux frapper le bumper. Et voilà. Youpi! Même problème que tantôt. C'est raté, misérable Schtroumpf, tu n'as pas réussi à sauver tes amis.
peut-être pour que ça... Ah, oh, c'est peut-être parce que c'est à gauche, il faudrait que j'aille. Commence notre course. Pardonnable, hein? Hop là. Et hop. Oups. Je suis tombé, tu m'as pas attrapé. Ça comptait pas. Gargamel a vraiment fait de grosses réserves d'ingrédients. Et là-bas, on dirait l'élébor qui a ramassé le grand schtroumpf. Eh ben alors, Racine. Tu marches? Un coup qui a pilé, lui. J'ai fait quelque chose, j'ai réussi quelque chose que je voulais pas faire. Alors, petit monstre, vous croyez que votre copain va réussir à vous libérer? Pour ça, faudrait déjà qu'il vous retrouve. Oups, j'ai tombé. Oh, regardez, notre sauveur est de retour. Par ici, je trouve que costaud. Oh, mon preux chevalier, sauve-moi des griffes de Gargamel. Dommage que la trompette soit pas là, t'aurais pu la sauver. Tu veux un petit bijou? Ça me fait pas rire, et baisser d'un ton. Bon. Yark, je pense qu'il veut que je fasse ça. Ou pas. Pour ça. Merci, Schtroumpf costaud. Grâce à toi, nous sommes enfin libres. Libérés ! Délivrés ! C'est trop Schtroumpf. Bien, ne perdons pas de temps. Moi, je dois encore soigner la Malfeuille. Elle est au grenier. Gargamel n'arrêtait pas d'en parler. Au grenier? Il est où, le grenier? Bah, il est en haut. Je crois qu'il est en haut. Oui, parce que le grenier du bas, on appelle ça la cave. Ce n'est pas le moment de schtroumpfer. Où se schtroumpfe l'entrée du grenier? Ah bah ça, tu ne peux pas te schtroumpfer. C'est là où il y a le plus de contamination. Continue sur le même chemin. Bon, allez, on te laisse. Bon courage. Allô les copains, j'ai libéré les derniers schtroumpfs emprisonnés.
Vous pouvez envoyer la cigogne pour les récupérer. Tout ce temps-là, il y avait assez de schtroumpfs pour faire de l'or. Il l'a pas fait. Pas dans les plumes quand il la verra. Il est bien trop. Bon, il m'a couru, il m'a réussi à m'attraper. Le schtroumpf culturiste a libéré tous mes prisonniers. Culturiste. Reviens ici, misérable. Culturiste. Le schtroumpf culturiste a libéré tous mes prisonniers. Reviens ici, misérable. Je vous déteste, toi et tes congénères. Le schtroumpf culturiste a libéré tous mes prisonniers. C'est ça. Reviens ici. C'est pour casser ça. Le schtroumpf culturiste a libéré tous mes prisonniers. Pas assez. Reviens pour... ici, misérable. Je vous déteste, toi et tes congénères. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Où es-tu passé? Tu te caches derrière le mur, c'est ça? Ah, c'est encore une poursuite. Je pensais que je pouvais me cacher derrière les briques, mais non. Yeah! Ah, come on! J'étais en plein milieu de mon saut. Inutile de revenir, misérable schtroumpf! Niaiser. Et hop. Oh, mais tu vas arrêter de sauter partout. Non. Oh là là. J'ai jamais vu autant de contamination. Pas de doute, c'est l'entrée du grenier. En route. Come on. Bon, je suis dans le grenier là. Wouhou. Bon. Voici enfin ce fameux grenier. Okay. Les choses sérieuses vont commencer. Grâce à l'antidote ultime, la Malfeuille sera bientôt décontaminée. Mais ces obstacles restent dangereux. Ok, fait que là, je suis à l'abri de Gargamel. Là, je peux vraiment, là... Allô, les copains, vous m'entendez? Allô, les copains, ici le Schtroumpf costaud. Vous me recevez? C'est une catastrophe. La communication est brouillée. Mais non, j'ai pas impossible de signal. Impossible de joindre le village. Au proche de la contamination. La Malfeuille. Et tabarnouche. La Schtroumpf, elle est gigantesque. Et voilà ces trois cœurs. Il faut que je Schtroumpf un moyen de les atteindre.
C'est lui le boss de la fin. Maintenant, je dois trouver les cœurs de la Malfeuille. J'imagine que c'est comme ces satanées maltrapes. Sauf qu'elle semble beaucoup plus tenace. Mais le grand Schtroumpf a été clair. Elle ne résistera pas à l'antidote ultime. Je suis le Schtroumpf costaud, ne l'oublions pas. Et tous les Schtroumpfs le savent, le Schtroumpf costaud, c'est le plus fort. Même si la Malfeuille se défend, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Yes. Come on. Okay.
fait que ça c'est un cœur. Là la musique a changé. Cafarnage, Schtroumpf. Tout est sans dessus dessous. La Malfeuille s'est déchaînée ou Gargamel a un vrai problème avec le ménage? Un peu des deux. Je sais que tu es là, maudit Schtroumpf. Oh, ne rêve pas. Tu ne réussiras jamais à détruire la Malfeuille. Ces malbêtes vont t'attraper et te faire passer un sale quart d'heure. Oh non. Il ne manquait plus que lui. Cet idiot de Gargamel s'est schtroumpfé dans les racines. Je peux souffler un peu. Non. Ah, il fallait que je fasse ça d'abord. C'est mieux. C'est un vrai labyrinthe ici. Où aller? Là. Wow. Yikes. Oui. Oh non. J'avais presque. Et hop. Oui. Voyons.
Ah, il est vraiment plus proche. Celle-là, je l'avais poignée. Ok. Dernière section. De Big Bang Test en tout cas. Ha ha ha.
Et hop. Quelque chose? Non, c'est juste un coin. Ok, c'était juste un coin. Un projectile pas loin? Il y a lui! Ah, ok. Faster than a speeding hefty. What? Plus rapide qu'un strumpf costaud? Ok, fait que si je frappe les traits, je me rends jusqu'ici, puis j'ai le... On va recommencer, on va faire ça dans les règles de l'art. Oups. J'ai manqué. Okay.
Non. Que je le garoche. Ok, got it. J'ai réussi! Il a réussi, mes petits schtroumpfs! Il a vaincu la Malfeuille! Non, ouais. Schtroumpf! C'est enfin terminé, n'est-ce pas? Oh, super! Je vais faire un bon gâteau pour fêter ça! Dites-lui que je l'embrasse, grand schtroumpf! Moi, j'aime pas qu'on m'embrasse. Voilà, du calme! J'ai du mal à tous vous suivre! Très bien! Je viens te schtroumpfer en cigogne! À tout de suite! À tout okay. de suite, grand schtroumpf! Enfin terminé! Je vais pouvoir me reposer un peu! Fait que la cigogne, elle va remonter. Azrael, I'll get... J'aurai ma vengeance, Azrael! Vous m'entendez? J'aurai ma vengeance! Le village est sauvé. Grâce à l'entraide, ils ont encore une fois gagné. Les schtroumpfs se congratulent, heureux de se retrouver. Même le schtroumpf grognon semble se dérider. Le grand schtroumpf sourit devant cette assemblée et pense à Gargamel qui a encore échoué. Il est encore brouillé dans les feuilles. Il fulminé de rage, coincé dans la Malfeuille, lié dans ses branchages. Mais la plante a séché, libérant ce gros bête qui encore aujourd'hui n'admet pas sa défaite. Allez, oublions-le, laissons-le maugréer. Les plantes et les fleurs sont maintenant sauvées. Retournons au village, sous le ciel étoilé. Il n'y a plus de danger, il n'y a plus qu'à chanter. Car un schtroumpf de vrai, dès qu'il peut célébrer la solidarité, la joie et l'amitié. Ouh, pas fâché d'avoir fini, moi. J'ai beau schtroumpfer la poésie, schtroumpfer des rimes toute la journée, c'est schtroumpfant. Enfin, merci tout le monde, c'est pas si souvent. Allez, schtroumpfez-vous bien et bonne schtroumpf. Bon, fait que le jeu est fini, c'est vraiment la fin de l'histoire. Mais il y a un mode co-op, mais je le ferai pas aujourd'hui. Mais bon, ouais, c'est ça, c'est le générique de retour au village, Microïd. Fait que là, on aura l'opportunité de voir Bébé Schtroumpf est devenu grand. Le nouveau trophée que j'ai gagné. Fait que c'est probablement quand j'ai battu à Easy puis à Normal. Fait qu'il y a un niveau de difficulté au-dessus de ça. Je pense que
pense pas leur faire à hard. C'est comme, c'est cute. L'histoire est quand même intéressante. Mais c'est vraiment, là, ça vient vraiment chercher un public jeune, là, t'sais. Moi, j'imagine un kid qui, 5-6 ans, ça doit être un challenge pour lui, là. C'est comme moi, je l'ai fini en combien de temps? 10 heures, lui, ça doit être probablement 40 heures, finir. Bon. On va voir les voix, qui joue quoi. Personne va comparer avec la version Netflix des Schtroumpfs pour voir si c'est les mêmes voice actors. Parce que... je dois vous dire que je les suis pas. Même les Schtroumpfs à Télé-Québec, qui est, j'imagine, la même série. Je n'écoute pas ça. La seule affaire que j'écoute à Télé-Québec qui est un semblant de d'émission pour enfants, c'est la nouvelle saison des Cités d'Or. Celles qui sont en Éthiopie, là, je suis encore là. Moi, j'ai pas écouté d'épisodes récents des Cités d'Or, mais moi, dans ma tête, ils sont encore en Éthiopie. Donc, ...2h45, moi, j'ai encore de l'énergie. Après le générique, je vais faire une pause. Et on va reprendre le stream avec Hercule Poirot. Alors, ma semaine, ça va être aujourd'hui. Bon, ça va être Hercule Poirot. Demain, on va continuer Hercule Poirot. Lundi. Mardi, je fais une collaboration avec Starlock, qui lui joue à Dragon Ball Z Kakarot. Et c'est moi qui vais être son guide visuel. C'est dans le fond, moi, je vais le guider, puis c'est lui qui va faire la baston. Et mercredi, c'est la sortie de Vampire the Masquerade Swan Song. Alors, je vais faire un petit stream de fin de soirée juste pour regarder un petit coup d'œil. Tu sais, c'est un truc de première. Là. J'ai aussi pris, je l'ai précommandé. J'ai précommandé la version The Premier Gen Edition. Donc, ça va quand même intéresser. Pour ceux qui sont des fans de Vampire the Masquerade, bon, ça va être en anglais. Alors, j'espère que vous allez suivre. De toute façon, mes amis que je connais, qui écoutent, donc qui jouaient à Vampire the Masquerade, ont le livre, puis le livre, il n'est pas traduit, il est en anglais, fait que je connais tous les termes en anglais, anyway. Donc, Swan Song, de quoi ça parle? C'est, je pense que c'est Boston by Night, 5e édition. Et, ah, on a les voix françaises en ordre d'apparition. Le Schtroumpf poète, Jérémy Prévost. Grand Schtroumpf, Jean-Loup Horwitz. Schtroumpf costaud, Marc Arnault. Schtroumpf paysan, Jérémy Prévost, ok. Schtroumpf fête, Anna Ramad. Schtroumpf bricoleur, Xavier Fagnon. Schtroumpf paresseux, Magali Rosedweig. Je savais que c'était une fille. Schtroumpf lunettes, Antoine Chomsky. Schtroumpf grognon, Antoine Chomsky aussi. Schtroumpf farceur, Casey Chase. Schtroumpf sauvage, Xavier Fagnon. Schtroumpf bêta, Antoine Chomsky. Schtroumpf cuisinier, Emmanuel Curtil. Gargamel et Marc Rimmel Curtil. Marc Arnault. Autre voix de Schtroumpf, Franck Sportis. On a les voix en anglais maintenant. Lawrence Sheldon. Davis Freeman, ok. Vincent Rowe, je n'en connais aucun. Paysan Davis Freeman, ok. Bérangère McNeese. Joshua Rubin, first trump bricoleur. Sandra Michelle Asratian, first trump paresseur. Je trouve que le net, El Kawakibi. Wow! Joshua Rubin. Hey! Je le connais, lui! Josh Rubin, il fait son grognon avec Colin. Casey Chase pour le trump farceur. Fait qu'il le fait dans les deux langues. Chris Brooker pour le trump sauvage. Trump baker, Beta Mark Irons. Trump cuisinier, Vincent Rose. Gargamel Mark Arons, Chocoma, Ilse La Monaca et d'autres.